Bien, bonjour Maxence. Tout d'abord, avant de passer à quelques petites questions, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour, moi c'est Maxence Madrol, je suis éducateur à l'US Reuilly. Je m'occupe de la catégorie U11 et en plus de ça, je fais tout ce qui est les spécifiques gardiens pour cette catégorie. D'accord, merci à toi. Première question, quelles étaient tes attentes sur le module U11 que tu es en train de vivre? Bah, dans un premier temps, les attentes, c'était avant tout acquérir des compétences et des connaissances que j'avais pas avant cette formation. C'était d'avoir des supports sur lesquels m'appuyer à la fin de cette formation pour pouvoir faire mes propres entraînements à mes jeunes. Et ce qui est bien avec cette formation, c'est que c'est ludique et moderne et c'est une attente que j'avais aussi par le contexte dans lequel on est. J'appréhendais un peu ça et finalement, ça se passe plutôt bien. Donc la formation répond bien à toutes mes attentes. D'accord, super, merci. Quel est ton avis là sur l'outil qu'on utilise, parce que c'est inédit, premier module comme ça à distance, l'outil global, qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'outil Global, déjà dans un premier temps, j'ai trouvé qu'il était très facile à prendre en main et je le trouve très pratique parce qu'on peut travailler en petits groupes avec l'intervention de vous, les formateurs. Donc, de ce côté-là, c'est très bien. Il y a des fonctionnalités intéressantes, notamment quand on est en groupe avec les notes collaboratives et tout ça. Et donc, ce qui a beaucoup aidé aussi par rapport à cet outil, c'est la petite mise en route, on va dire, que vous avez faite il y a 2 jours de ça. Donc je pense que sans ça, on aurait mis un peu plus de temps à se mettre dedans aujourd'hui et perdu un peu de temps sur la formation. Et du coup, avec cette formation, ça nous aide à pas perdre trop de temps. Voilà. Ok, si tu avais un avantage et un inconvénient de la formation à distance, ce serait quoi pour toi? Pour moi, ce serait, donc on a le cas aujourd'hui, d'avoir des personnes de différents secteurs, donc plutôt différents districts. Parce que du coup là on est avec la ligue et ça permet de regrouper plusieurs méthodes de travail différentes, plusieurs méthodes d'entraînement qu'on n'a pas l'habitude de voir suivant les secteurs on va dire de la région. Donc c'est intéressant. Après au niveau d'un le petit inconvénient que je pourrais trouver à ça, c'est la convivialité qui manque par rapport au fait qu'on se retrouve tous ensemble. C'est pas pareil, mais on fait avec et ça se passe très bien. Quand tu vas retourner dans ton club, s'il y a des personnes qui hésitent à faire cette formation, quel message tu vas leur transmettre? Et bah de pas hésiter parce qu'au final il y a beaucoup de personnes qui peuvent être freinées par le fait que c'est informatique, que tout le monde n'a pas forcément la même aisance. Mais bon, les formateurs sont là pour nous accompagner, il y a des très bons formateurs. Moi j'avais la chance de vous connaître avant cette formation, donc j'en étais conscient avant. Et sur la formation en général, on a des nouveautés intéressantes sur le jeu à 8. On connaît pas avec notre expérience à nous de base quoi. Très bien, bah écoute Maxence, je te remercie, bonne fin de formation. De rien, merci.